L'idée phare du projet, c'est de faciliter la récupération des instruments précieux et réutilisables qui sont envoyés dans des sondes météorologiques presque tous les jours en Suisse. Et cette récupération, elle est faite par une manœuvre lors de la descente de la sonde qui permet de la faire atterrir dans des zones plus abordables pour les récupérer. Ce qu'on a développé, c'est un mécanisme simple et surtout très léger qui permet d'ouvrir ou de fermer un parachute lors de la descension. En effet, quand le ballon explose, le code qu'on a développé se met en marche. Il récolte les données GPS qu'il transmet au microcontrôleur et fait marcher ensuite le moteur qui permet ensuite de réduire ou d'augmenter la voilure de notre parachute. La difficulté majeure, c'était d'imaginer et concrétiser un système qui soit autonome et déployé dans l'air à quelques dizaines de kilomètres. Ça implique devoir gérer les contraintes météorologiques, donc la température, les vents changeants et surtout le poids, car on est en chute libre et tous les éléments doivent être le plus simples possible, mais aussi efficaces pour pouvoir rediriger notre sonde.